Chacal, tu veux rouler ou pas? Est-ce que je crée le lobby maintenant? Va falloir que tu me gardes réveillé. Ah ouais? Aïe aïe, Chacalinho qui veut dormir. Va dormir, hein, Chacalinho. Hein. Chacalinho, si tu veux dodo, go dormir. Hein. Les cheat meals me mettent mal. Les cheat meals? De quoi? Yo Lulu. Lulu fait le speech pendant que je reviens. Je prends le contrôle du live. Voilà. Fais pas de bêtises. Je reviens 2 minutes. Je vais boire un coup et je vais aux toilettes. Ah oh non, mais je l'ai entendu. J'étais même pas parti. Sup Alex, le petit toutou. Subalex. Oh, par contre, tu vas te calmer, Subalex. Hein. Allez, hop, 10 minutes. Et quand il revient, plus personne ne parle, d'accord, dans le chat. On va le faire un petit punk. Le petit prank à Hydro. Non, je conduis pas en open lobby. Peut-être pas non plus. Oh mon dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Excusez-moi, mais il se touche la bite, Hydro, là, ou... Je crois qu'il est parti chier, hein. Oh, toi, le roukmout. Les larmes. Hein. Les larmes. Hein. Quand je suis sorti, sachez que j'ai mis une frappe. Ah, Anna a essayé de m'appeler hier, merde. J'ai mis un CF. J'ai mis un coup franc dans la poubelle en sortant de ma chambre. Bon, Lucas, t'as oublié de mettre le chat en émotanier. Ah, bon caca, bon poubelle. Bon, chacal et tout, vous voulez rouler ou pas? What we doing? What we doing? Ça fait 5 minutes que mon jeu se lance pas. Oh, les excuses, ça y est là. Hop, hop. Hop, hop, hop. Qui vient rouler là? Je voulais essayer de rejoindre. Bah, viens, rejoins, relance ton jeu.
Un peu en retard. Non, Valentin, t'inquiète, t'as 14 heures de retard. TKT. TKT. En quoi on roule? Bonne question. Guigui Chacalino, en quoi on roule? Oh, Foutilou, ça va ou quoi, Foutilou? Oh, No Rules F2. On peut tester le No Rules F2. Je sais pas ce que ça donne en vrai. Comme vous voulez. Est-ce que vous voulez vocal déjà? Ou je reste tout seul comme un grand? En vrai, les F2. J'ai jamais testé en fait le No Rules F2. Toujours bloqué du dos. Ah merde, je savais pas. Moi ça va, écoute, tranquille. Hein. Tranquille, tranquille. Hein. Je vais te tenir compagnie. Et Chacalino, j'ai l'impression, il est en train de mourir. Viens pas hein, si t'es fatigué. Hein. Ah oui, il y a les celles de 2021. Bien vu, bien vu. 2020-2021. Ok. Mais j'ai peur qu'en F2, les no rules, ça marche pas. Tu sais que tu peux faire une sauvegarde de tes paramis. Ouais, ouais, je sais qu'on peut faire ça, Antoine. On essaye? Vas-y, on essaye, hein. On essaye, on essaye, hein. Ya salam alaikum salam, mon frère. Très bien, Chacalino est mort. Oh, mais préviens un peu. What? Préviens-moi quand je suis mute. Oh là là, t'es sûr que tu veux rouler? Ouais, ouais, ouais. Mais ça risque d'être pire que d'habitude. Il est où, Théo? Théo! Wesh! Il est foncé, le cousin, là. Je t'explique comment ça s'est passé. C'est quelques dernières heures pour moi. Oh si là. Ça t'intéresse, évidemment. Vas-y, bah attends, je vais mettre les circuits. Italie. On va tester les F2, là. On va voir ce que ça donne. Mais il est bourré, le Mais t'as cracouze. J'ai le bruit de la F2. T'as cracouze, j'ai cracouze, le cous. Je t'ai fumé un truc ou quoi, avant de venir, là? Non, non, mais en fait, je suis parti essayer de dormir pendant... C'est quelle heure? Minuit et demi? Non. Ouais. Si, si, t'es à peu près minuit et demi. Je dis, je reviens pour une heure à peu près. Tu vois, parce que tu devais conduire en France et tout. Ouais. Je suis parti dormir, sauf que impossible de dormir. Et je sais pas pourquoi. Du coup... Dommage, ouais. Si, j'ai rompiché un petit peu. Vite ouais. Fait. Oui, Lucas. Et du coup, après, je suis allé... raconte ta vie, moi ça m'intéresse, vas-y. Du coup, je suis allé prendre une douche pour me réveiller un peu, sauf que ça fait le contraire. Ah, ça t'a rendu, ça t'a fatigué, aïe aïe aïe. Mais en fait, j'ai un problème ces dernières mois. Pas ces dernières années, mais ces derniers mois. Ouais. C'est que toute la semaine. Attends, j'ouvre la session, vous pouvez tous rejoindre. Oh, en F2, c'est incroyable. Ouais, tu sais, t'as pas pris de voiture par contre. Ouais, Schwarzman. Du coup, j'ai. Quoi? Donc, c'est quoi ton problème, vas-y? Vu que je mange ça. Il y a un mec, il a fait oui en rejoignant, je sais pas c'est lequel. Oui. Tu manges sain. Je mange sain la semaine, etc. Ouais. Je sais pas si c'est mon estomac ou un truc comme ça qui s'est habitué. Mais dès que je mange un peu gras ou un truc très calorique comme un tacos, etc. Ça te nique le. Ça me met dans un état. Y a pas Ferisson. Eh Ferisson, frère, faut rejoindre. T'as Ferisson en ami ou pas? Oui. Laissez-lui une place. Olivier ou Tender là? Avant que Jean-Kick tienne des deux là. Non, pas Tender, j'ai vomi si tu parles de Tender. Quelqu'un laisse une place pour Ferisson là. Je sais pas, là, j'ai dinguerie. Pourquoi il. Non, je sais pas. C'est 22 pilotes en F2. Ah! Ah oui! Invite Ferisson. Invite Chacal, c'est moi, c'est toi qui es fatigué. Invite Ferisson, pose pas de questions. Chacal est de cale à zéro. Hein. T'aimes pas, non? Invite-le. Si, si, mais en fait, je réponds en DM d'Anna. D'Anna. Oui. Oh là là. Non. Si, normalement, c'est possible de rejoindre là. Sache que j'ai très peur, hein. La F2 je le sens pas. Hein. Ah ouais? Je sais pas ce que ça va donner. Vous êtes sûr qu'on peut rouler à 22? Je suis pas sûr. Non, hein. Non, ouais. Je sais pas. Est-ce qu'on peut faire de la flûte? Parce que j'ai fait de la flûte avec Anna, mais elle aimait pas. Vas-y.
J'arrive. C'est un no-rolls, ouais, ouais. C'est bon? On peut rouler? Il est là, Geek. We are good to go. Geek, il est là, oui. Geek. Va falloir se calmer, monsieur, par contre. Pardon, pardon, pardon. C'est une private joke. Fantôme désactivé. Parabipsi. C'est bon. C'est bon, let's go. Vamos. Vamos, vamos. Sache que t'as raté un grand moment à Zubalex qui se faisait bully par Furisson dans le chat. Alors, ça arrive souvent sur Discord, mais si c'est vrai, si tu m'en parles, c'est que ça a vraiment dû être violent, et j'aurais bien aimé voir du coup. Si, si, tu devrais un missile Predator. Y a pas les virages, j'ai enlevé, wesh. Qu'est-ce que vous me racontez, vous? C'est passé quoi, je veux savoir, parce que par exemple, c'est pas le truc. Je suis parti une demi-heure. Ah, what? Attends. Attends, vite, 5 secondes. Ah non, c'est bon. Non, mais c'est bon, c'est désactivé, j'ai pas pris, il me casse la tête. Tout à l'heure, il y a... T'as pas d'histoire? Non, j'ai pas d'histoire, j'ai juste vu ce clébard de gosse. Il a bon toutou. Ah, il a bon toutou furisson. Quand j'étais en train de rouler dans le chat, je vois ce clébard. Le café. Qui a sorti le café? Demande à Hydro s'il valide notre histoire, chacal. C'est quoi votre histoire? Qui a eu du chat? Anna, elle a demandé. Moi, oui, je valide. Mais non, évidemment. Tu dois me demander. Non, c'est à moi que tu dois demander si je valide moi. Hydro, est-ce que tu valides notre histoire avec Anna? Deux. Mais c'est ça la question! Attends, oh, mais gros, je suis déjà à moitié foncedé, frère. Tu m'embrouilles le cerveau. Tu veux qu'on se... Elle me demande si je valide l'histoire. Je veux savoir c'est quoi l'histoire. Anna, du coup. J'apprécie pas trop ça. Je veux savoir c'est quoi l'histoire du coup. Anna, elle veut qu'on se marie, elle veut qu'on appelle notre fils Raphaël. Sauf que moi, j'aime pas trop. Raphaël, c'est un prénom bof, hein. Désolé les Raphaël dans le chat, mais... Si tu t'appelles Raphaël, en général, t'es au fond de la classe. Non, t'es genre au milieu de la classe. Voilà, moi, j'ai un élève devant la classe. Ouais. Si vous avez un enfant, appelez-le... Timothée. Timothée. Wouah. Raph, super. Super. Apparemment, j'ai été élu modo drôle. Trouvez le meilleur nom à Anna et c'est bon. Ouais, t'as été élu le modo le plus drôle de la chaîne. Je savais pas que les votes c'était maintenant, enfin... Non, mais on a commencé à réfléchir, voilà. Enzo a été voté le voilà, modo chômeur. Anna, tu... Tu m'empêches d'être... Voilà, disons les termes. Est-ce que tu l'appellerais pas Louise, ton enfant? Tu vas gérer de doser, quand même. J'ai jamais roulé avec les F2, attention. Hein. Ça va être encore plus catastrophique que d'habitude, hein. Oh, j'ai été au prochain, j'ai loupé le clutch pour le départ. Oh bah c'est drôle ça. Tiens. Oh, Zubalex commence pas à faire de la merde. Non. Mais non. Mais c'est une vanne. Non, c'est je une vanne. Je peux pas crier parce que c'est mon voisin du Suki. Oh mais ça patine tout seul en fait. Mais ça tourne pas sur toute cette merde. Allez. Wow. C'est de la merde ces voitures, pourquoi on roulait avec ça? Non. Wow. Oh Gig. Oh Gig avance. Gig. Non mais what? Oh Hydro. Oh non, je t'attends. Viens. Qui c'est qui m'a... C'est Gig. Mais non, c'est pas Gig, c'est derrière Gig. Bon, j'ai plus d'allant, vas-y, mais j'ai même pas fait un tour. C'était Shaw. Shaw, il est mort. Mec, mais c'est un roule. Mais déjà que les F2 de base, ça se roule. Ça se roule pas. Je peux vraiment... Oulala. Non. Mais Hydro. Mais tu freines. Mais tu freines. C'est parce que j'ai vu un mur. Furisson était dans le mur, il avançait plus. Ouais, mais s'ils évitent pas les murs aussi, c'est bon. Oh, ok, les pilotes pro, hein. Y en a, ils sont trop forts avec les F2. Hein. Oh, Azubalex, ça peut mettre dehors par Furisson. Tiens. Mais c'est horrible en F2. C'est Change-moi ça de tout de suite après. Qui c'est qui a eu cette idée là? Mais je sais pas, dans le chat, ils ont tous dit F2, c'est mort. Mangez vos morts. Qui aime bien la F2 là dans le chat? Personne. Personne n'apprécie la F2. J'ai l'impression d'être drogué alors j'ai jamais consommé. CRL, c'est la même chose en vrai. Alors. Furisson, fais attention à ce que tu fais, hein. Parce qu'après, la fois, je t'invite pas. Hein. Oh, y'a le Instagram de Théo Pourchère sur ta voiture.
Attends, il a essayé de me brief check alors je regardais même pas l'écran, je regardais non, mon téléphone. Bug. Non, il bug, il se déco. Ok. Alors, il a des voilà. Sacrés déco. Hein. What? Tu la craches en bugant, c'est n'importe quoi. C'est pour son bien mental. Oh, il y a Roscoe. Oh là là, Roscoe à 1h30 du matin. Mais tu sais que là, là, on a une line-up, là vraiment on a un lobby, mec. Attention, hein. Il y a Roscoe, il y a Kart, il y a. Non, non, il y a Kart à l'heure. Il y a Black Fiction. Il y a Goodley. Il y a Azubalex. Oui, il y a Goodley encore. Oh non, il était déjà dans l'open de Anne. Ah non, mais un lobby, t'as peur. Hein. Lobby, t'as peur. Aïe, 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 aïe. Oh non, Baptiste. C'était pas la bonne, frère. Il y a Chacal, oui, bon alors. Ah non, il y en a un qui s'est fait larguer. Non. J'avais vu que sa meuf le trompait à Skip. J'ai crash. Oh non, on va avoir un crash. Y'en a un qui a bah attends, alors j'ai plus jamais les F2. Hein. Mon PC, j'en peux plus. Mon PC va cramer. Ah non, on va crever mon PC. Aïe aïe aïe. Mais quelle idée de mettre les F2, sérieusement. Personne m'a dit non, c'est une idée de merde. Si. Par contre, les crevaisons sont bien faites. Rien à dire. Oh, oh, Roscoe. Oh la Oh. Oh, les deux ont crevé, c'est une vanne. Oh là là, Roscoe, mais. Oh, yeah, 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 yeah. Roscoe, il a 17 secondes, je peux le rattraper. Oh non, Roscoe, mais quoi? Mais Roscoe, il triche. Il est mort. Il est mort, Roscoe. Bah. Furisson, apparemment, tu essaies de mettre des barrières entre Anna et moi. J'apprécie pas trop. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Anna que je mange à tous les râtelis. Presque, il attend. Mais toi aussi tu veux t'y mettre, mais c'est non, fou. Moi je dis que c'est une bonne chose, je dis juste que voilà. Faut être honnête, faut être transparent. Les écoute pas, non. Tu roules pas vite, chaque aligné en vrai. Hein. Je suis précautionné. Regarde, ça me vaut la P6 pour l'instant. Bon, alors, carte. Ah oui, mais carte, il a bugué, il a dit. Trop bien, les F2 ça change. Non, arrêtez de mentir. Donne une dernière chance aux F2. Non. Est-ce que vous voulez qu'on garde les F2 pour la course suivante, les gars? Bon, je pense mais pas, ils vont dire oui parce qu'ils conduisent pas. Alors là, c'est très méchant ce que t'as dit. De quoi j'ai dit quoi? Non, mais y'a pas de soucis. Non, j'ai dit eux ils conduisent pas donc ils ont pas leur avis à donner. Ils savent pas la torture que c'est. Ouais, je vais rouvrir la session. C'est éclaté les F2, c'est nul, ça va trop doucement. Tu vois, ils disent oui. Et là, ils disent non. Et là, ils disent non dans le chat. Bah, c'est vous êtes, c'est peut-être les. Ouais. C'était qui ton catcheur préféré, Chacal? J'ai jamais regardé le catch. Pardon. Si, j'aimais bien Rey Mysterio. Pardon. Et du plus haut, je regardais. T'as jamais regardé le catch? Tu regardais pas le catch? Chacalinho. Quoi? Tu regardais pas le catch? Je viens de te dire, c'est pas des choses qui m'intéressaient. Quel menteur! C'est quoi tes centres d'entraînement? Oh, mais toi. Mais quand t'étais gamin, pas aujourd'hui! Oui, je sais, mais quand t'étais enfant, t'étais un gamin perturbé. Genre, tu collectionnais les cartes Panini de catcheur, tu regardais le catch, tu regardais les super-héros, etc. Je pense que tu devais être hyper actif. Archi pas. J'en vois un menteur. Mais tout le monde à Romain regardait le catch. Marvel et tout, je dis pas, hein, c'est quelque chose. Mais le catch. Non. Not in my books. Mais Fouti, t'es belge. T'es belge. Je connais la WWE, mais je regarde pas. Mais aujourd'hui, non, moi non plus, je regarde pas. Mais quand t'es gamin, on a déjà tous vu un match John Cena ou quoi, genre. Moi, je connais la W série. C'est pareil, hein, même combat. Hein. C'est tout aussi scripté. Hein. C'est Chacalino qu'elle dit là. Aïe 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 aïe. Bon. Mon imitation était si éclatée que ça. Je dis, on laisse une dernière chance à la F2 en Grand Prix de France. Non. On va voir. Si c'est vraiment claqué, plus jamais on rejoint F2, c'est bon. Regarde, il y en a plein qui quittent. Déjà, on était 22, on est passé à 19. Bah, ils ont volé une caisse. 17. Bah, let's 17 go. Parce que c'est éclaté. Mais non. Let's go. Au moins, on fait du tri sélectif. Julien, écoute-moi.
S'il te plaît. Oh, je suis déjà assez fatigué comme ça. Mais non, on est 21 en plus, pourquoi tu mens comme ça? On vient d'en passer à 22, mais on est passé à 17. Oh, tu me mens? Comme tu vas mentir à Anna? Oh, alors, elle est déjà en train de dormir, donc on peut parler français. C'est pas super. Je rigole. Aïe 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 aïe. J'ai crash à cause de la F2. Mince. Voilà. Zut. Oh non, me dis pas que la session est buggée. Si la session est buggée, attention. Non. Ouais, ça lance pas. Ah, attends, si je mets prêt, peut-être. Ouais, non, regarde, on est 19 sur 22. Oh non. Aïe. Oh non, arrêtez de vous exciter. Oh. Attends, on teste un truc. Bon, si ça marche, mais t'es prêt? Non, faut prendre un pilote dessus. Fuck! Hop. Mais t'es prêt? Oh non, c'est bugué. Ça crache. Il y a Gootley qui a dit je suis dans le chargement. Allez hop, toi tu dégages. Ah, c'est bon, c'est Gootley qui avait bugué. Merci Gootley! C'est bon! Je sais pas, t'as pris une voiture parce qu'on a plus de dispo là. Sachant qu'on est 21 donc. Ouais, j'ai pris une Williams. I got a Williams. Williams. Donc t'as jamais. Putain, t'as jamais vu du catch. Okay. On fait Canada du coup. Ah bah du coup, on fait Canada, my bad. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est pas dit. Bah ouais, j'ai oublié de changer les circuits, my bad. Ma bad. Anna, t'écoutes trop les... Oui, Lucas. Whitley, on te invitera après sur le prochain lobby. Mais du coup, tu regardais quoi quand t'étais gamin? À la télé ou... Bah ouais. Tu l'as vu, la nana? Tu l'as vu? C'est qui a gagné Miss France, t'as suivi? Oh, c'est... Non, j'avais posé la question. Moi, je peux te dire. J'ai lâché au bout d'un moment, mais. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai vu que mes. Ils étaient très déçus, que... hein, l'équipe. Hein. L'équipe était très déçue. Hein. Et est-ce que l'équipe. Miss Pollution. C'est Miss 30 km en ville. Miss un seul feu rouge. Aïe aïe aïe. Non, c'est un stop. Du coup, parce que ouais, mettre. C'est Miss. Miss Paris. Sur côté, hein. Au final des champions. Je cite dans le chat quand elle a été votée, il y a eu des Elle et Chum qui sont partis. Elle ressemble à Valère Germain. Non, c'est Valère Germain, c'est celle de Auvergne. Auvergne, elle ressemble à Valère Germain et Corse, elle ressemblait à Verratti. Oh là là, mais c'est que c'est comparaison. Il y a Roscoe en attente. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, frère, laisse-le. Roscoe, laisse-le, t'es raciste? Oui. Tu te souviens pas? Ah, si. Si. Ouais, il est derrière moi. Oh, vite, il me double. T'as fait me faire une queue de poisson, hein, je vais. Non, je t'ai évité justement, t'es un menteur. Un menteur? Geek dans le mur. Bon courage derrière. Hein. C'est toi qui as mis un break check à quelqu'un? Non, j'ai break check personne, moi. Jure, là. Ça part sur une victoire, là. Ça part sur une petite victoire. Mais du coup, Jordan il est encore là ou pas? Ouais, Jordan il est encore là. Enfin, je crois, ouais. Puisque Nord-Pas-de-Calais et Languedoc-Roussillon, attention. Hein. Quoi? Non mais. Attention de quoi là? Un boulot. Quoi? Quoi? Chacal. Bon, bref, il est que 1h50. Oh. Alsace P4, mais. Non mais attends, mais frère, c'est bon. Comment c'est une grille, frère? Ils ont cru quoi eux? C'est la Race. Tu l'as vu la nana? Ah mais... Ça me stresse, tu le fais trop bien, vraiment. C'est un enfer. Oh les gars, on va pas parler de ça. Non mais est-ce qu'on peut avoir un débat parallèle? Insupportable. Bah ouais, mais c'était sûr, Théma aussi les débris. Auvergne, Détroit ukrainienne. C'était sûr, mais aussi vous laissez tous vos débris. Sérieux, on vous déteste. Débat vieux jeu vidéo. Quoi vieux jeu vidéo? J'ai joué sur la PlayStation 1, mes parents, il y avait un jeu que j'adorais. Mais... C'était quoi? Je me souviens plus du nom, mais c'était un jeu de voiture. En gros, c'est la démo, il y avait juste une seule... C'est quoi votre premier jeu vidéo ever? Bonne question, ça foutit.
Le premier jeu vidéo auquel t'as joué ou le premier jeu vidéo qui était à toi? Bah, que t'as joué, je pense. Moi, c'est, ça devait être F1 2005, peut-être. Bonne écoute là, tiens. 2005? Ah ouais? Sur le ou alors c'était sur Air Factor. C'était sur PC. Ou alors c'était peut-être Air Factor avec le mode F1. Je me souviens que je jouais avec la F1 de Mario, on va sur la 64. Quel plaisir. GTA San Andreas, Minecraft, PS 2005, Minecraft, 2012, oh, Minecraft, FIFA. Minecraft. Oh là 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 là. Pac-Man. Non, mais Chris, c'est bon aussi. Grand Tourisme, Chris, ça va. Pokémon, PES, GT1, ok. J'ai une question. Ouais, allez-y, bon. Chris, en vrai, il a quel âge? Une fourchette, si vous voulez pas donner un âge précis. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, on vous dit qu'il a ce genre 58 ans, etc. Moi, ça me fait rire. Mais ça m'étonnerait que ce soit le cas. Chris, si tu veux venir en parler sur le vocal, n'hésite pas à venir sur le Discord. T'as les droits. T'as les droits. Entre 30 et 60, d'accord. Il s'est muté. Attends, j'entends en manger du en même temps, mais faites pas étouffer. Il a un âge conséquent. Il pourrait être mon grand frère. Bouge pas, il est là. Bouge pas. Oh, j'ai payé mon Terrosco. Salut mon petit Chris. Salut les gars. Ça va mec? Il y a une question qui t'est alors, posée. Alors je vois qu'il y a un débat qui a l'air de se créer autour de mon âge. Non, alors c'est pas une attaque, hein, vraiment. C'est juste. Un titre informatif. En même temps, il y a un certain streamer de circuit virtuel qu'on a fait son fonds de business de parler de mon âge. Non, bon. T'as un mytho. Oh, le mytho. À chaque fois que je pointe mon nez dans le chat, il y a une vanne là-dessus. C'est pas moi, par contre, je suis d'accord. C'est Lulu. Non. Allez, devine, vas-y. On va faire un petit jeu, devine. Vous lui donnez quel âge, Chris? Ah, il a moins. J'ai droit à 3 questions. Non, mais là, tu viens de demander à 1200 personnes de ne. Non, même plus de demander mon âge, mais bien sûr qu'ils vont trop. Est-ce que j'ai le droit à 3 questions? Moins de 40 ans déjà, moins de 40 ans. Oui, mais c'est bon moins... aussi. Je dirais. Ton grand frère, sachant que t'as. Non, j'ai abusé, c'est mon grand frère. C'est ton grand frère, mais ça peut pas être ton daron non plus. Non, ça peut pas être mon daron. C'est pas... Ça, il a pas 18 ans de plus que toi. Voilà, exactement. Ça fait pas 40. 37, ça serait trop proche. Waouh, je vois des trucs dans le chat, ça me fait mal au cœur. 28. Oh! Quoi? What? Il a one shot! Il a one shot! Oh, le blanc! Oh, le blanc, il a one shot! Ah, il a one shot là, j'étais pas drôle! Voilà, ouais, Chris. Moi, les duels Shumia Kinen, j'ai connu. Moi. Chris, il a connu la télé en noir et blanc. Je connais votre avenir. Mais d'accord. Bravo, Alex, il a dit, il a des gosses. Non, mais il y a Flouti qui a dit que j'avais des gosses, c'est un scénique aussi. Bon. Voilà. On m'a dit qu'il y avait un TikTok, c'est quoi cette histoire? Ah oui. C'est quoi comme clip que je sache? Tu m'exaspères, toi, quand t'es à Bakou. À Bakou? Ouais. Une certaine arrivée. Oh, ok, j'ai trouvé, c'est quoi? Non, mais tu sais, vraiment, il y a des moments, je me demande si tu le fais exprès pour les TikTok. Puis après, quand je vois ce genre de contenu, pour Power Run sur Forza, je me dis que c'est pas fait exprès. Non, mais je suis divertissant quand je le veux, en fait. Ouais. Tu offres du contenu à tes viewers. Exactement. Bon, allez, messieurs, sur ce. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, tu voulais l'âge, celui-là, 28, tu l'as. Ouais, tu vois, je suis choqué, mec. Mais ouais, je sais pas comment j'ai fait. Mais PO, du coup, il est plus vieux. Ouais, PO est plus vieux, il a 29. J'allais dire quelque chose, attends. Non. Vas-y, dis, il est pas là, hein. Il dort à ce temps-là. Il compte créer une famille ou. Non, c'est pas. Mon daron, il m'a vu à 30 ans, c'est pour ça que je pose la question. C'est pas méchant, c'est pour ça que je sais pas en parler. Oh, alors attends, non mais... Faut pas que je pose la question à Chris du coup. Il est trop con. Je pensais pas que ce serait ça. Mais quand je te dis que je vais pas poser la question, c'est que vraiment c'est... Non mais comment c'est... ça, il compte créer une famille, un reproche, il a 29 ans et 28 ans, Chris. Pourquoi tu veux que... Il est fou, lui. Quand tu te rends compte, moi je trouve que mon daron il est vieux, tu vois. Il a quel âge ton daron, si tu veux le dire? Mon daron il m'a eu à 30 ans. Sachant que j'en ai 21, il en a 51. Okay. Bon, il est vieux, entre guillemets, tu vois. Bon, il est pas je dis, si tu fais un gosse,
aux alentours de 35-40. Ouais. Quand ton gosse il a 20 ans, t'en as 60. Bah ouais, je trouve ça vieux quand même. Ouais, mais y a une... c'est très fréquent. Hein. Très souvent. J'ai un pote, il a 19 ans, sa mère en a 70. Ouais, bah voilà, tu vois. Ouais, c'est creepy un peu en vrai, mais. On pourrait l'appeler mamie. Hein. Ok, mais non, ouais. Bah, tu lui demanderas des pieds loin, ouais. Hein. Oh non. Tu vas lui demander, bah mec, c'est pas méchant. Je l'adore, hein. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé devant moi là? C'est bon. Stop aussi, stop! Raph, j'ai pas dit. C'est pas parce que j'ai dit que Raphaël était un peu éclaté qu'il faut me mettre dehors. Ça va! Oh, j'ai même pas fait un secteur, je me suis fait assassiner, gros! Quand tu rigoles comme ça et que tu pètes du nez, ça me fait rire. J'aime bien quand tu pètes du nez. Gros. Non. Important passer entre les deux panneaux ici. Quand vous avez un aileron en bon état. Bien passer là et garder de la vitesse. Deviens caster au pire. Vas-y, je vais devenir caster. C'est quoi ce cri? Oh, j'ai serré les fesses, mon pote, j'ai fait du. Oh, ouais. Attends, je fais mon plouc. C'est qui mon plouc? Si c'est moi, écoute-moi bien. Je saute par le balcon. Hein. Ce serait très très drôle. Non, c'est pas toi. Ouais, c'est pas toi. Quelqu'un m'a mentionné au même moment, j'ai eu très peur. Aïe 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 aïe. Ah, y'a Furisson. Combien je fais Furisson dehors? Alors, Monaco, les gars, ça va être un carnage. Furisson, il travaille pour moi, je peux pas. Du coup, t'as pas répondu à ma question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu faisais? Enfin, qu'est-ce que tu regardais ou quels étaient tes centres d'intérêt quand t'étais petit? Si t'aimais pas le catch. Je regardais pas énormément la télé. Enfin. Quand j'étais petit, donne une tranche d'âge parce qu'en vrai, c'est pas à 10, entre 10 et 15 ans, tu vois. Ouais, entre 8 et 15 ans, je crois. Je passais énormément de temps dehors, genre dans mon jardin à jouer au foot. Ah ouais, t'es quand c'était genre, l'été, ouais. Je sortais beaucoup avec mes potes, etc. Et l'hiver, quand il était un peu plus froid, etc., c'était beaucoup de temps sur soit FIFA, pas à cette époque déjà. Il y avait plus Minecraft ou des trucs. C'est passé quoi là? Ok. C'est un peu bizarre. Ou Minecraft, ouais, vraiment le mec Minecraft. Sociable là. Bonjour. Qu'est-ce qu'il veut? Il est encore lui là. Nitro. Ouais. T'as encore 25 heures de live. Haha, yes. Youpi. L'ASMR de Lucas. Hein. Vraiment à mettre un sub goal pour que Lucas fasse 10 minutes d'ASMR. Oh, la génération Dofus. T'as pas connu Dofus, toi, du coup? Si, mais je jouais pas à Dofus. Je connaissais Dofus. Des gens qui y jouaient, mais... Moi, j'y ai pas beaucoup joué non plus, en vrai, donc... C'est génération Abo. Oh là là, Abo, tel. Qu'est-ce que t'as déjà dit? Quoi? Quoi? Vous êtes fatigant. Oh, tu freines. Parce que c'était pour la dernière fois, il m'a mis dehors. Okay. Cacaligno. Oui. Vas-y, Balex, le clébard. Oh. Le caniche, j'aurais dit. Laissez-le tranquille, le pauvre, il a rien demandé. Frère, il a 13 ans, il a l'âge de Simax, il dort pas ouais, encore à cette heure-là. Simax, il a pas arrêté de me mettre dehors en open lobby aussi tout à l'heure. Mérité, hein. Oh, tu me veux tout le temps du mal. Non, je rigole. Moi, ça me blesse intérieurement. Ça me blesse intérieurement, il a dit. Quel menteur. Quel menteur. Je suis le daron d'Azubalex. Oh là 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 là. Vous pensez que le daron d'Azubalex, il comprend ce qui se passe? T'imagines un jour, t'as Azubalex qui écrit, sans faute d'orthographe dans le chat. Bonjour, c'est le père d'Azubalex. Il est recroquevillé sous son bureau en train de pleurer. J'aimerais que vous arrêtiez de l'emmerder. Surtout Furisson, Toile Roukmout. Oh là 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 là. Est-ce que des gens ont déjà joué à Chapatiz? Ça me dit rien du tout, Chapatiz. Ciao, Batou. Non. Je connais pas Fouti. Mais Fouti aussi, hein, on en parle pas assez, mais Fouti. Il a quel âge Fouti? Ah, Fouti doit être un peu plus vieux que toi, j'irais 24. Je sais pas.
Ah merde. Je crois qu'il a 24 ou 25, quoi. Oh oui, je suis chaud, putain. 26. Merde. Ouais, tu vois, j'étais presque. Moi, j'ai quel âge? Moi, j'ai 32. Tu me parles menteur. Menteur. Pourquoi la famille? Non, mais moi, dès que t'as la trentaine, faut que ça parte. Moi, j'ai déjà mon petit, c'est bon. Hein. C'est Zubalex. Ah non, ouais. C'est pas Zubalex, c'est toi, Chacalino. Je te tape sur le front. Non, c'est pas toi, mais si tu veux l'être, ok. Chacal, ouais. Enfant, je suis chaud. Hein. Par contre, j'ai 11 enfants, une équipe de foot. Et on fait un projet Mbappé. On fait un projet Mbappé, un projet équipe de France. Vraiment. Chacalino FC, hein. On va faire du club pro dans la vraie vie. Ose mentir, moi je mange pas sur mon âge. Tu pensais que j'ai quel âge? Chacal, tu penses que j'ai quel âge? Je te connais, hein. Je connais ton âge. C'est vrai. De l'achat revente. Oh, tu vas faire de l'achat revente avec tes gamins. J'adore l'achat revente en plus, je suis très fort. Oh putain, je suis mort. Voilà, vous avez mon âge dans le chat. Mais oui, mais il y a la commande âge. Peut-être la commande taille aussi. La commande taille. Aïe. 4m12, je crois, c'est la commande taille. Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Chacal, successeur de Robert 87000. C'est Chris, il t'a dit que Rob, il l'a vu ou pas? Il est là. Avec des torissons! Des torissons! Pourquoi tu cries? Non, je crie pas. Si, j'ai vu la bande audio. Pète. Elle est passée dans le rouge, bizarre. Geek. Bizarre. Tu sais, quand tu fais ça, t'as la voix de Lilian. C'est vrai. Tu sais qui Lilian? Ça veut dire que Lilian. Oui, parce que j'étais en vocal avec lui tout à l'heure. Point d'exclamation. Non. Quoi? J'allais dire point d'exclamation swim dans le chat. Mais... Non, pas ici. Vas-y, Chris. Hein. Et Chacal, il est bizarre. En fait, vous aviez raison tout à l'heure. Chacal, il est vraiment bizarre. Hein. Pourquoi? Bah, je voulais te voter. Au racisme, mais pourquoi? Il voulait te voter le modo le plus cringe. Et pourquoi? Non, par contre, je te pose une question. Est-ce que. Toi, t'as sûrement des haters, mais du coup, ils sont pas sur le chat. Parce que. Enfin, si, parfois ça arrive, comme on a pu le voir dans le tribunal des bannis. Ouais. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui, genre, me. C'est pas qu'ils m'aiment pas, c'est qu'ils me détestent. C'est rare en vrai, toi, ça va. Hein. Il y en a peut-être un ou deux, mais en vrai. Plus gênant, d'accord. Ça va, je pense. Pas le pire, il y en a, hein, mais. Je pense, hein. Pourquoi on devrait le détester? Ouais, faut se poser les bonnes questions. En vrai, je pense que je suis détestable un peu. Oh, t'es casse-couille, ça c'est vrai, mais. Oui. On a tendance à beaucoup me dire. Putain. Regarde, hein, je pars dernier, last of first. Hein. Tu veux que je t'aide? Reste en retrait, je fais un strike au premier virage. Oh, t'inquiète. Ok. On se débrouille. Mais il n'y a pas de virage. Wouah! Wouah, l'Alpine! Oh, l'Alpine! Wouah! L'Alpine, ça va loin! Pardon. Oh, pardon. Ah, j'ai fait Michael Jackson! Non! Waouh! Vas-y, Chacal! Wouah! Chacal, qu'est-ce que tu fais? Ça crash. Ils sont tués entre eux. Ça a pas crash, toi? Non, pas encore. Moi, ça a crash. T'as eu un ego dumper? Ouais. Ok. Ok, on est pas mal, P8. Ok, j'apprends vos questions en attendant si vous voulez. Je les pose à Hydro. Vas-y, on fait une FAQ. Le chat, c'est le moment de toute façon. C'est une heure du mat. Posez vos questions, on répond à tout. Stay focus. What the fuck? Wouah. Oh, c'est Marine Nantes. Oh, Rocket League! Oh, Rocket League, frère! Qu'est-ce qu'on rigole ici? Oh, bordel de merde! Waouh! Wow. Ouais, quand est-ce que Hydro me follow sur les réseaux? Apparemment, je suis toujours pour un frisson. Ah! C'est vrai, Frisson qui a mis 2 mois à me suivre d'ailleurs sur Twitter. Faut blesser pour les goûts. J'ai vu une question très intéressante de Jordan un peu plus haut. Pourquoi t'es si beau? Bon, écoute. Peu de chance, hein. Pourquoi le jeu a crash? Ah, il est beaucoup dur.
On va arrêter les no rolls, hein, on va faire des lobbies normaux. Hein. Non, non, mais je pense c'est parce que t'avais mis la F2 en premier temps. Non, rien à voir, rien à voir. C'est tout le temps, ça crache tout le temps avec les débits, avec les... Mais frère, en même temps, il y avait sauvé Willy en plein milieu de Monza. Évidemment, ça crache. Tu m'étonnes, le jeu, il a du lot d'une voiture dans le ciel, il a pas compris, frère. Et il avait pas prévu. Bordel de merde. Bonne à ceux qui vont dormir. On va refaire le lobby, tant pis, on va enlever les dégâts. It is what it is, hein, tant pis. Hein. Ouais. Oh non, allez sur MM, non, 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 non. Non, 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 alors ça... Arrêtez, on ira demain, demain. Quoi? Tu sais quel compte a republié pour la première fois depuis très longtemps. Out of context. Ouais, ouais. Le tien. I know. Tu étais au courant ou... Oui. Il avait même fait un post il y a pas si longtemps, ouais. Il m'avait manqué ce compte, hein. Vraiment les larmes. Il y a un potentiel sur ce compte, attention. Vraiment avec tous les clips qu'il y a là. Je vous invite Ferrisson, comme ça on est tranquille. Oui papa. Jordan il continue à mettre du contenu. Téléphone, 2h10. Alors WhatsApp. Alright. Ok. Bon, y'a personne qui m'envoie des messages sauf la personne la plus importante à mes yeux. Hein? Je parle à personne au téléphone sauf une personne qui est très importante à mes yeux. Ok, ça roule. Il s'appelle Anna. Ça roule. Ah, faut que j'invite Ferrisson. Hop. S'il arrive à rejoindre. Aléatoire. Hop. Oh, je sais ce qu'on va faire. On va laisser la pluie de temps en temps. De temps à autre. Toc. C'est bon? C'est bon ou pas là? Bon, moi j'ai invité Ferrisson donc faudrait. Je sais pas si. Deux minutes, mon jeu se lance. Oh wesh Thomas! Y'a pas que la connexion qui est lente à l'image. C'est bon! Attends, je me mute, faut que je me bouge. Quel jeu vous voulez. Quel circuit vous voulez faire? Chaque anino s'est muté. Lesquels on n'a pas fait encore aujourd'hui? On a fait Mexico? Vu que c'est notre 11ème heure de lobby, je pense qu'on les a fait. Ouais, un peu je pense qu'on a tous fait vraiment. Bonne nuit à ceux qui vont dormir. Singapour. Allez, Singapour. Moi j'ai envie de faire Jeddah. Hongrie. Hongrie, on l'a pas fait, j'avoue. On a fait Bahreïn. On n'a pas fait Bahreïn. Hein. Zandvoort. Eh, hey, on va tous les avoir fait. Let's go, Portimao, on l'a fait. On en a 5, c'est bon. Attends, en no rules, Zandvoort? Non, 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 pas en no rules, normal, hein. C'est pas no rules. Je croyais que tu faisais no rules en. Non. En doucement avec les puits, il faut bien payer. Oh, Ferrisson, là, allez, là. On est fatigué, là, come on. Oh, Ferrisson, frère. Oh, mon billet. Oh, mon billet. Oh, bouge tes grands morts. C'est toi, chacal, qui mange 20 nuggets. Tu manges des nuggets? Des nuggets? Non, des nuggets moins maintenant vu l'état de mon estomac ces derniers jours. Mais aïe. Allez, c'est bon, je vais à la session, vous pouvez rejoindre. Go prendre une voiture. Moi, je vais prendre Sébastien Vettel. Étonnant. Sébastien Vettel. Quel... Ah, attends, quel pilote je devrais prendre qui me ressemble le plus selon toi? Je sais pas, mais dépêche-toi. Non, mais pas, je prends Nikita Mazepin du coup. Super mec. Est-ce que Nikita Mazepin ne serait pas victime d'un traitement qu'il ne mérite plus? Lançons un débat. À quel niveau? Au niveau du fait qu'il ait fait des spins, etc. Au niveau de sa conduite ou au niveau de la personne en dehors du circuit? Non, moi je pense que... Ouais, du pilote. Non, du pilote. Il mérite sa répute. Est-ce qu'il mérite d'être moqué comme ça tout le temps? Au niveau de sa réputation, enfin de sa réputation sur le circuit, juste si on se concentre uniquement, je dis bien uniquement sur le pilote. Ouais. Je pense plus. Ok. Parce que, mine de rien, je trouve qu'il s'est quand même amélioré. Tu vois le gap avec Schumacher qu'il avait en début de saison et qu'il y a maintenant. Voilà.
C'est pas un no rules, c'est pas un no rules. Hein. Il y a moins de grosses erreurs, même s'il reste assez lent. Ok. Enfin, voilà. Au niveau progression des pilotes, du pilote au niveau de la progression, tu vois, du. Moi, je pense que c'est plus le pire maintenant, vraiment. Non, non, c'est plus le pire, mais il y a eu une belle progression au niveau du pilotage. En... Au début, il a fait pas mal d'erreurs, après, il s'est amélioré de fou, la voiture, ça reste une poubelle. Bah, de ouf. Il mérite pas sa place, mais il est dans la pire équipe. Comment ça, il mérite pas sa place? Au niveau du talent, je suis d'accord. Y a... En parlant vrai, de talent, oui, il y a Piastri, d'accord, mais l'année dernière, est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup mieux en vrai sur le marché? L'année dernière. L'année dernière, ben non, De Vries, il était booké pour la F. Ah, De Vries, il était en Formule E, Van Dorme aussi, il n'y avait pas grand monde. Hein. Il est monté parce qu'il avait fait une saison. Oh, correcte, regarde hein. Qui c'est qui bug. Ferrisson, il a quitté la session, voilà. David, plus jamais. Allez, Ferrisson. Oh ah là 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 là. Après, il s'est fait mettre la bite par Michael, par Mick toute la saison, c'est vrai. C'est vrai que Schumacher lui met des sacrés écarts sur les qualifs. Hein. Allez, Chacalinho. Oh, il y a un mec à mon blaze encore. C'est pas un... C'est pas un... Ah oui, t'es parti à côté de Hydro. Un Hydro. Je laisse la place à l'intérieur. Je suis bloqué par ce qui... Fais gaffe, on a le son du jeu qui est très très bas. Ouais. Oui. Je t'ai bump. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Yeah, il avait cut le son à cause du bug, my bad. Allez hop, Roscoe. Le son ghost, ça me stresse. Allez hop, allez hop, allez hop. Oh, il y a Dentinho voilà, devant. Oh, ça faisait longtemps. Oh non, ouais, bah il m'avait pas manqué. Ça a appelé Let's Go Max déjà. Bon, tu sais que c'est lui, là. Quig! Quig. What tata, pardon. Oh là là, mais what? Oh là là, mais les lobbies à 1h30. À 2h, c'est incroyable. Très drôle. Oh, ah, il t'a laissé passer Quig. Oh non, mais... Tensinho! Je vais le prononcer avec l'accent brésilien. Allez, on va se calmer, on va se calmer, calmons-nous. Je t'ai laissé passer là. Mais pardon! Il joue à quoi? Ah, mais c'est toi! Il a craqué le cou, il est malade lui! Ah, je suis mort! Oh, attends, 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 attends. Attends, la ligne droite, j'ai vu un mec devant qui m'intéresse. Quoi? Oh! Pardon. Accélère. J'ai loupé. Ouais, j'essaye. Oh, rip. C'est qui que tu vas target là? Oh mec! Green flag. Sache que t'as fait une collade parce que du coup il a envoyé. Oui, je sais, j'ai vu Roscoe plus Azu. Et ça? Non, mais on est fatigué. Mon jeu charge encore. Mais Ferrisson, ton jeu il nous fatigue aussi. Eh, hey, on n'en peut plus, Ferrisson, c'est bon, tu fais full bug. Aïe 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 aïe. Me fait tilt, Ferrisson, tu vois. Il y a 1400 chômeurs ici à 2h du mat. Et tu en fais partie, Jean Hart. Attends, 1400? Tu en fais partie, ouais. 1477, c'est le chiffre. J'ai très envie qu'on demande à ceux qui sont sur le live de après, baisser son 1400, live. Je pense qu'il y en a genre au moins 500 qui dorment. Au moins. J'ai très envie qu'on demande à ceux qui sont sur le live de baisser son au max. Lulu qui met un giga bruit bien fort. Quel enfant. Vraiment, si c'est possible, je signe. Il y en a, tu sais, ils doivent dormir avec les écouteurs et tout, hein. Ah, mais justement, putain, réveil en trombe à 2h du matin. C'est un sadique, wesh. Vous entendez un petit peu? Salut, Lulu. Je suis Spider-Man, fils de pute. C'est pas assez fort, ça. Hein. Mets-moi dehors, attends, tu vas voir si j'ai pas crié. Vraiment un truc super, super fort, du coup. Un grognement d'ours. Un grognement, vraiment. C'est toi qu'il y en a, ils vont rêver du coup, parce que si on parle d'Azubalex et tout, ils vont rêver d'Azubalex. Attends, attends, attends. Ah, Subalex. Ah, Subalex. Ouais, mais c'est bon, c'est Basmo ou quoi, là, calme-toi. J'ai hâte de jouer, là. Il est malade, lui.
Les cris d'Alexandre Caldi avec le micro. Oh, j'avoue, le micro qui sature là. Mais vous êtes stupide. Oh, il se transforme le cous. Oh, ça y est, je craque. Je craque le cous. Je suis en train de craque le cous. Hein. Oh là là, c'est Zubalex qui zigzag. Cracouze le cous. Ouais, Zubalex, tu dois pas aller dormir à cette heure-là. T'as pas cours lundi, Clément. Putain, là, y'en a, ils ont peut-être des partiels lundi, ils dorment pas encore. J'ai partiel lundi à 8h, sache-le. Ouais, mais toi, on s'en fout. Oh, il m'a fait peur. Attends, quoi? C'était quoi ce bruit? Ça, c'est signe de la mort, les corbeaux. C'est les corbeaux, ouais. Oh là là, mais t'étais pas là. Il y a un... Oh, c'était il y a environ un an. Oui. À Marseille. Non, mais... T'entendais dans toute la ville des espèces... Enfin, un bruit bizarre. Je sais pas s'il y a des Marseillais dans le chat qui avaient entendu ça. Ouais. Des bruits bizarres. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est bon, il va nous faire toute la panoupée des animaux. Vraiment. Apprends les animaux avec Lucas BDR. Ça, c'est Lucas qui rigole, ça. Ça, je suis désolé, mais ça, c'est le fond de la grille, on n'a pas de lobby, hein. Ça, c'est le fond de la grille, hein. Du coup, c'est quoi le son à Marseille? Raconte. Ça faisait un bruit giga aigu, comme, tu sais, le cri d'une baleine, un peu. Ouais, ah, mais c'est... Oui, ok, oui. T'en avais entendu parler? Bah, moi, je crois, ouais, vas-y. Et en fait, tout le monde croit que c'était cri de baleine, de baleine, etc. Quand en détresse, parce que c'était déjà arrivé il y a quelques années, je crois, mais c'était moins fort. Et là, ouais, ça s'entendait dans toute la ville. Et étant là qu'on commençait à dire que c'était les trompettes de... Alors, je ne connais pas, mais dans la religion, musulmane, la fin du monde s'annonce par des trompettes qui... Un son de trompette, ouais, okay, qui... dans le ciel. Et en fait, bah, Roscoe, il n'a pas fait des choses comme ça. C'était Roscoe qui faisait le bruit à Marseille. Non, c'était en fait, alors tu vas être déçu, hein. C'était les portes d'un gros chalutier dans le port, et vu qu'il y avait beaucoup de mistral, le bruit que ça faisait, voilà, ça faisait grincer, et t'entendais le bruit, tellement c'était fort que le vent, t'entendais le bruit dans tout Marseille. T'entendais tellement à mieux, vraiment. Génial. Quoi? Tu fais un nounours? Un nounours? Il m'a fait peur. Ouah, wesh. C'est trop. Wesh, on est où là? On peut avoir un canard? Vraiment, tu le tiens incroyablement bien. Canard de merde. J'ai que ça. Je suis la merde, ton canard. On dit qu'il se tape plus de murs que bref. On peut faire monter à Zubalex en vocal pour avoir le bruit du chien. Non mais oh Gig! Ou alors toi Gig. Gwig. Ou alors toi Zubalex, vraiment. Wow. Viens, on fait un QS, reconnaît les animaux, genre. Vas-y. Le chat, vous allez devoir deviner les animaux, vas-y. Ah non, lui, il est parti. Je crois que c'était la chauve-souris juste avant. Ouais, il a dit que c'était Batman. Vas-y, Lulu, mets-nous un son, on essaie de reconnaître. Éléphant, ouais. Il est plus rapide pour un point pour moi. Éléphant. Il y a un mec qui regarde le stream sur PS4. Il vient de mourir, mais Zepine peut être le pire dans la voiture. Wow. Serpent, un crotal. Alors ça, je suis désolé, c'est un arroseur automatique. Hein. Oh, un moustique, fils de pute. Oh là là, ce bruit m'énerve. Insupportable, un moustique. J'ai envie de frapper quelqu'un. Merci, là. Zeka. What? Ça, c'est moi au toilette tout à l'heure, après le tacos. Hein. Non, c'est quoi? C'est un hippo, non? Tu peux remettre? Non. Vas-y, remets. Wesh. Un taureau? Un rhino. Non. What? C'est un daron qui se mouche. Wesh.
wesh. Oh, le vessie. Ah, c'est pas un cercle, un bras. Pas du tout. C'est à côté de l'eau, hein. C'est à côté de l'eau. Oh, un alligator. Oh non, une otarie ou un truc comme ça. Un morse. Une otarie. Un morse. Ouais. Ah, tu vois, ouais, c'est sûr. Non, le morse, c'est ça. Oh, ta gueule, ferme-la. Quoi? Ça, c'est moi, ça, c'est le ventre. C'est pas un animal, ça. Je sais quoi, il grogne. Wesh. C'est cool, quoi, c'est vous l'avez cité avant. Un hippo. Non. Tigre. Oh non, le brame du cerf. Non. Non, bah non, le... crocodile. Non. Moi, après la raclette. Un ours. Un ours. Mais non, bon, j'ai mais pété non, un plomb. C'est des animaux sauvages. Dans la jungle. Ah, c'est pas une otarie. Et c'est fier à trouver. C'est une otarie. Rhinocéros. Ah non, mais j'ai dit rhino, t'es un connard. Ah, t'as dit rhino? Oui, il a dit rhino, clairement. J'ai pas entendu. Non, t'avais dit hippo, là. Quoi? Ah, c'est un chat, un tigre. Un tigre, ou un... C'est un... Un chat, un tigre, ou un truc comme ça, genre. Non. Les meufs. Ça, c'est des meufs du 9-3, ça. Un pouf. Un guépard. C'est un des félin. Des pieds, on porte beaucoup. Quoi? Quoi? Ça doit être des pieds longs, on porte beaucoup. Lacoste. Oui, c'est un alligator. Un alligator. Oh, aïe, 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 aïe. Elle est sponsor par Lacoste. Donc. Non, il l'est pas, mais c'est vrai qu'il porte beaucoup de Lacoste. Non, mais ça suffit, c'est quoi ces bruits? C'est pas. Un tigre. On est où là? Bravo! C'est bon aussi là. Ça c'est gueux, ça c'est un gueux. Stop un peu. Ça c'est Jérém à 3h du matin. Bravo, c'est un lion. Alors, lion, oui, pas la ville. Non, jure. Bah, dis ça furisson. Ah, ok. Attention, ça, là ça va falloir être très rapide. Hein. Ok. Un dauphin. Un dauphin. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Le brame du cerf. Remets. Il s'est étouffé. Mais ça, c'est un peu serré, ça, la vie de ma mère. Ça, c'est des peu bruyants que t'essaies de camoufler quand t'es en cours. La daronne a su, ça dit. La daronne a su qu'il a des caisses. Imagine, il a raison, Jordan. Imagine un mec qui se réveille sur son ordi, il entend ça. C'était un phoque. Oh, je l'ai dit tout à l'heure. Un phoque. Oh, j'ai dit l'otarie, moi. Chacun son. What? Oh. Ah, oh, ça c'est Simax dans le chat de là, ça. Taupe, non? Non. Un oiseau, non? Non, ça c'est des trucs nocturnes, ça. Une chouette. Ça a été trouvé dans le chat. Chauve-souris? Chauve-souris. Mais non, on l'a fait tout à l'heure, la chauve-souris. Oh, City, une souris. Un piou-piou. Une souris. Une souris, ouais. Piu-piu. C'est un truc aveugle. Oh, oh, ça serait un gros, ça serait moi sur Discord. Ça. Oh, vraiment. Remets. C'est un lion, non? Mais non, on l'a fait tout à l'heure, le lion. Un guépard. Ouais, un c'est un... Un félin. Voilà, peut-être c'est un... C'est quand même assez imposant comme animal. Panthère? Non, encore plus imposant. Aussi un restaurant. Buffalo. Charal. Oui. Charal. Il a dit Charal. J'ai pas réfléchi. Ah, y'a rien qui va parce que Charal c'est ni un restaurant ni un animal. Oh là là, ça fait rire quand il arrive à rejoindre. Le brame du cerf. Oh, le FC non quand je suis. Tu connais pas là? Non. Le brame du cerf, non? C'est une vache. Ah, ok. Ah ouais. Alors, c'est une vache ça qui a cliché, là. Ça fait pas meuh une vache, normalement, les gars? What? Oh, il est trop bien, le son. Ça, c'est... Romain, un loup? Ça, c'est dimanche matin à la messe. C'est un loup, non? Ah non, c'est dans les sous-marins, genre un beluga.
Ah, pas mal. C'est une baleine. Une baleine. Baleine, pas mal, pas mal. Wow. Ah. L'aigle. L'aigle, ouais. Bah, après, bah, il me reste deux samples. Vas-y. Un cochon, ça. Mais quoi? Un cochon, quoi? Non, c'est pas un cochon, ça, un sanglier. Ça, je reconnais, c'est Azubalex dans le cul de jeune, ça. Ah, quoi? Il est malade, lui, il est malade. J'imagine la scène. Ah, quoi? Bah alors, Azubalex? Il est fou. Tu renifles? Parce que du coup, quoi, ça va commencer à imaginer des trucs, du coup. Gidman, mais je peux pas la faire. Non, non, mais... Aïe. Non. Du coup, c'est un gorille. Ah ouais. Ça, Zubalex est en train de s'énerver dans son ordinateur, après les premiers. Ça, c'est un gorille, ça. Oh là là. Oh là là. J'ai pensé. Un singe. Un singe, non. Bon, ça, non. Là, un singe, c'est une race. Oh. Il y a plusieurs types de singes. Grenouille. Oh, les larmes, bordel. On a bien rigolé, hein. On a bien rigolé, hein. Ça fut court, mais intense. Le virage, putain, pour entrer dans le troisième secteur, ah. Qu'est-ce qu'il est smooth. Oh, les... Oh, j'entends ça, la nuit chez moi. Les grillons. S'appelle... Non. Crickets. Les crickets, crickets. Ouais. J'attends de voir Azubalex débarquer. J'entends pas, tu vois, pas. Non, non, mais je teste des trucs. Ah, ok. Oh, je suis planté dans le mur pile poil quand il a mis ça. je canais. Oh non, mais ça y est, il met tout ça en défect. Oh pfff. Oh, wow. Ça, c'est leur passe-mose, toi. Oh Enzo. Il y en a pas de lobby. Oh Enzo, puis. Oh, mais wesh. C'est fou ça. Mais pourquoi j'ai des musiques d'ascenseur? Oh, vas-y. Rien de plus énervant. Ne quittez pas, votre interrogateur va bientôt vous répondre. Ouais, non, mais ça suffit, par contre, Chuck. Ça, c'est quand tu rentres à Zara. Ça. Oh, c'est bon, Dentinho, là, il est fou, lui. Il va se calmer, là. Bon, allez, c'est tout pour moi. Bonne nuit. Au revoir. Merci. Première chose, Dentinho, Verstappen, c'est deuxième bon. Deuxième chose bizarre. C'est pas fini. Il s'appelle Let's Go Max, il roule pareil, c'est bon aussi, stop. Les geeks ont fait la paire. J'ai mal au ventre. Pour rigoler. Devant, sache que c'est un bordel, les deux McLaren là. Catastrophique, ouais. Hein. Oh là 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 là. Oh, bon, bon, Dentinho. Avec Guy. Dentinho qui vient de prendre deux réprimandes dans un virage. Oh oui, les réprimandes, c'est vrai. Y'a pas d'aptifal pour tenir. Si, il était là tout à l'heure, il écrivait dans le chat. À 23h, il est parti en soirée. Il écrit dans le chat modo tout à l'heure, donc On sait pourquoi. Oh, le stream dans le channel modo, vraiment, t'as loupé des moments incroyables. J'ai cru comprendre, ouais. On rigolait bien. Un peu un manque de sérieux, mais sache que... Y'a que des cracks, hein. Oh, c'est bon aussi, vous... Oh, votre défense, oh là là...
Par contre, ça a permis de voir que Jordan a des goûts catastrophiques. Il est fatigué là. Hein. Yo Matt, hello hello. Live 24 AS. Tu fais combien? Je fais 3. En fait, on est genre 5-6 pour se battre pour la P2, mais c'est full dive, full ça pousse, ça se met dehors et tout. Pour la P2, mais le... Ah ouais, le premier il a une avance. Ah oui, 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 oui. Après, si tu voyais les deux McLaren là, Roscoe et Dentinho, attention hein. Ah, t'es bien fou. Donc, ça se bat pour la P10 avec Gig. Je vais le laisser parce qu'il est beau. Attention, ouais. Comme on dit. Hein. Je pars à 2 minutes. Il disait quoi, Chacal? Il disait que t'avais des goûts catastrophiques. Je balance pas, hein, mais il disait que vraiment. Ouais, il y a une montre qui sortit un moment. Elle avait un strabisme et des dents en moi. Il a dit qu'elle était incroyable. Je suis désolé. Hein. Les goûts et les couleurs? Oui, après, bon, voilà. C'est pas mon goût, quoi. C'est pas celui de Vincent non plus. Ou Victor, putain. Oh, je sais plus son prénom, je suis désolé. Faut que ça rentre. C'est pas les goûts de Kevin non plus, ni ceux de Jérém. Première chose bizarre. Deuxième chose bizarre. Non ! Raf, il est fort, putain. J'ai glissé, j'ai envie de mourir. Prochain lobby, mon PC sera acheté, sera prêt à jouer F1 en ligne. Vas-y, ça roule. On fait à quelle heure les mini-jeux? Je sais pas, on verra. Je sais pas. Hein. Alors, je pense qu'il va falloir faire du tri. Dentinho, est-ce que t'es dans le chat? Yo Lyon 69. Dentinho. Hop là! Faut qu'on ouvre une discussion là. Et qu'on parle un peu de ton pilotage là. Ouais, dommage, j'ai glissé. Tu passes toute ta carrière de Mazepin dans F1 entre ses dents. Quoi? Il est là, Zubalex, ou ce qu'on le voit depuis tout à l'heure, mais... Ah, Zubalex, il est là, ouais. Les règles en F1 depuis Jeddah, c'est Dave. Ah non, c'est Dive, je pense que vous voulez dire. J'ai jamais vu des propos aussi réels. Ah, bah alors... Alors, Dentinho, hein. Tu reconduis comme ça, c'est ban, hein. C'est coup d'épée, hein. Attention, hein. Dave, le chanteur. Il y a moyen que tu fasses un K-Culture. Si on a des trucs, ouais, why not? Moi, je sais que j'y ai pas accès. Mais si on peut, ouais. Moi, c'est honteux, la grille P16, P18, P19, P17. Chut. Un loup-garou. Oh, j'avoue, un loup-garou avec les modos, ça peut être très drôle, hein. Voir si on sait jeu droit, hein, bordel. Vraiment, hein. Vraiment, ce jeu, je pense. Vas-y, plus, ça, Gig. C'est quoi tes jeux de société préférés? Moi, c'est Loup-Garou et Monopoly. Je suis un mec chiant, du coup. Loup-Garou, c'est un truc long. Bon, mais Loup-Garou, j'ai un Loup-Garou, ouais, avec moi. J'ai acheté un Loup-Garou, mais il a jamais servi parce que jamais personne ne veut jouer. Je sais pas, en vrai, jeu de société, bonne question. J'aime bien les 1000 bornes. Non, c'était chiant, les 1000 bornes, j'aimais pas. Cluedo, oh, ouais, moi j'ai fait trop de Cluedo. Oh. Ça doit être, tu kiffes mentir, toi. Moi? Ouais. Non. J'ai remarqué que la zone de DRS dans le dernier temps n'allait pas au bon endroit. Oui. Ouais. Bah, Loup-Garou, c'est un petit masterclass en vrai. Loup-Garou. C'était quoi vos jeux de société préférés à l'époque, les gars? Je dirais Alors, je sais pas qu'à l'époque, hein, mais Loup-Garou, je dirais que c'est toujours le cas. Ouais. On passe sous-côté. Le Uno. Le Uno, ah ouais, sur-côté. Non, t'abuses. Si. T'abuses. Le risque, c'est le quoi risque. Le risque. Je connais pas non plus. Uno, la bonne paix. Ouais, la bonne paix, pas mal. Quoi, le risque? Ouais, vers 3h. Ça, Florisson explique ce que c'est. Vers 3h, 3h30. Pourquoi tu demandes? Parce qu'il y a des gens qui veulent venir ou. Le risque, je sais pas, c'est quoi? Je sais pas. La folie stratégie. Ok. Mais c'est quoi le principe, les gars? De non, ça me dit quelque chose, je crois. C'est un jeu de stratégie militaire. Ah. Ok, Lulu, ça roule. Joueur rapide. Ouais, jusqu'à demain soir, les gars. Ok. Le risque, un jeu de stratégie militaire. Non, je connais pas. Ah, sinon aussi les Scrabble. Alors, c'est pas un jeu de société en soi, je pense. Quoique.
Tu kiffais le Scrabble, toi? Je kiffais pas, mais en fait, dans ma famille, ça en faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon frère, en fait, jouait beaucoup avec ma grand-mère. Et du coup, ils faisaient des parties, mais ils étaient trop forts. Hein. Ils étaient vraiment très, 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 très forts. Hein. Et moi, j'étais là, je me faisais fusiller. C'était catastrophique. Mais le Scrabble, quand c'est joué, attention. Hein. Ah, attention, hein, top tier. Hein. Roscoe, pense pas à me taper dans le cul comme ça. Oh là, merci Roscoe de m'avoir sorti, ça fait plaisir, on apprécie. Même à 3h du match, ils sont là pour nous casser les couilles. Hein. C'est fou, Roscoe, frère. Tu penses qu'il prend du plaisir? En vrai, ouais. Je pense qu'il le fait pas exprès. Allez, 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 allez. Attention, je te le dis, hein, si on joue au loup-garou et que je suis fatigué comme ça, tu vas m'accuser d'être le loup-garou alors que je suis loup-garou. Attention, hein. Viens, on fait un loup-garou après. Tu fais les jeux, tu fais avec nous les jeux, les mini-jeux ou pas? Ah, mais oui, mais moi je vais coucher après les mini-jeux. Ok. Vas-y, bah let's go. Fais le loup-garou, on va voir ce qu'on peut faire. Par contre, loup-garou, faut... il y a soit Wolfie, soit loup-garou de Trinity sur internet, mais je crois qu'il faut s'inscrire. Il y a besoin d'une inscription pour Wolfie ou pas? Non, je crois pas. Ou alors juste tu mets un pseudo, genre. Wolfie, tu peux faire en vocal, je crois. Il y a Discord. On rejoint le Discord de. Bah non, mais on rejoint le Discord à nous, c'est bon. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai Balex. Oh, c'est pas ce que c'est de me le. Zrex n'est pas là, je vais lui prendre sa place, le plus débile. Oh, j'avoue qu'il y a un combat. Oh là 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 là. Attention, hein. Le combat Zrex Jean-Art, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'était quelque chose, hein. Je pense qu'une nuit très plus intelligente. Non mais au bout d'un moment, frère, un petit bac, on te demande de mettre des mots avec un P, il répond les... du golf. Vraiment, c'est qu'il n'y a aucune volonté. On est 5 pour le loup-garou, là. Ok, vas-y, bah fais le tour et tout à l'heure, on verra. Waouh. Tout à l'heure, on verra. Attends, il y a qui pour le loup-garou? Il y a toi, moi, Lucas, Jordan. Strikes, du coup, je pense. Peut-être Fuchi et Chris, parce qu'ils ont fini FIFA. Oh, come on. Caldi, peut-être. Alex et Dodo, je pense. Déjà? Bah demain il stream lui. Après j'ai mis des souris, on est en train de faire de la muscu à 3h du matin. Le lendemain matin ça fait une matinale à, une matinale à 9h. Oh le dive. Oh Raflate, attention il est très fort hein. Ouais, mais il a gagné toutes les courses pour l'instant. Malheureusement il tombe sur le Ligri qui le met dehors. Ok, oh, mais quel circuit de... Oh, ah non, à la manette, j'avoue, circuit de merde. À la manette, c'est. À la manette, j'avoue. Derniers secteurs, les deux derniers secteurs, c'est le premier, c'est ça, je vois. Objectif, gagner circuit. Les jeux de culture. Vas-y, let's go, Forest. On verra. Hein. Ça va juger fort tout à l'heure. Hein. Ça va juger fort. Vous jouez avec quel rôle? T'as fait beaucoup de parties de loup-garou, toi ou... Non, sur Wolfie, non. Pas forcément sur Wolfie, mais sur loup-garou, enfin des loup-garou en général. Ouais, un petit peu, en vrai, ça va. Vous jouez avec quoi dans le rôle? C'est-à-dire, on joue avec quoi? Il y a des spécificités un peu parfois. Genre, je sais qu'il y en a qui jouent pas avec le chasseur, par exemple. Ah bon? Ah ouais, non, je... bah... avec tout, j'avoue, j'ai jamais fait gaffe. Ah Cupidon, tu joues avec? Ouais. Cupidon, chasseur... Dans certaines versions, il y a le joueur de foot. Ah non, ouais, j'avoue, joueur de foot, j'ai jamais fait, mais... chasseur, tu sais ce que c'est, ou... Non, mais tranquille, on verra tout à l'heure. Joueur de flûte, en vrai, j'ai... Bonne nuit à ceux qui ont d'argent. T'es seul contre tous, et chaque nuit, t'as le droit d'ensorceler quelqu'un avec ta flûte. Et le but, c'est d'ensorceler tout le monde. En vrai, les best-of de Squeezie, où ils avaient des loups-garous sur Minecraft. Très drôle aussi, hein. Du balai, je t'ai laissé passer parce que t'es plus rapide que moi et tu continues à m'emmerder. Passe frère, mais. Je laisse pas sur une droite si tu veux le DRS. C'est totalement raté. Putain! Aïe aïe aïe. À quoi la Switch pour du Mario Kart? Je l'ai. Ouais, faudrait que je la prenne un jour. Je l'ai pas la Switch. Mais. Il a pété un plomb, votre pote, c'est incroyable. C'est ça. Il a de la pisse dans le cerveau.
Là, Zubalex, je suis en pleine ligne droite, je laisse passer pour la quatrième fois, il ralentit pour pas que je laisse passer. Je passe, il y a Selkin qui arrive à ma hauteur pour dive parce qu'il était plus rapide. Azubalex pète un plomb, ne freine pas, nous rentre tous les deux dedans et nous met tous dehors. Azubalex quoi. Il a débranché. Je pense. Non, je pense pas qu'on fasse un lobby après. On verra. Parce qu'il y a l'heure 2h45. Je sais pas, on va voir, on va voir. Ça dépendra de ceux qui dorment et ceux qui ne dorment pas. Qui ne dort pas encore là? Parce que vraiment, il y a des pseudos, je les ai retenus juste parce qu'ils étaient là lors des mini-jeux lors du dernier 24h. Ouais. MM STP après, oh toi, alors toi. Arthur Rookmoot. Arthur Rookmoot MM. On est là, on est là. On est aussi pour la course de tout à l'heure. J'espère Max, hein. J'espère, mais. C'est les dur, Canadiens. Ouais. Oh, il y a des Canadiens, oui, les Canadiens, ils sont trop bien par contre. Les Canadiens, c'est vraiment. Soir pour eux, là. Vous avez quelque chose en plus, hein. Vraiment, je vous envie. Hein. C'est que plusieurs fois ça m'est passé par l'esprit de déménager au Canada, hein, vraiment. Je suis lâché pour partir au Canada. Ah mec. From, Canada. Vraiment. Le seul problème c'est que la F1 elle est en Europe, hein, mais. La seule chose qui m'empêche de partir au Canada, c'est pas une seule chose, c'est plusieurs choses déjà, c'est l'argent à me dire. Ouais. Je pense que c'est la météo aussi. En été, il peut faire chaud quand même. Oh non, l'été, il fait giga beau au Canada, mais l'hiver, bon, c'est full neige. L'hiver, t'as 2h, 2m45 de neige, tu peux pas sortir. Et l'avantage, c'est que quand t'es streamer, tu bosses de chez toi. C'est vrai. Tu sais que j'ai remarqué un truc aussi, mec. Mais genre là, depuis un an, je crois que j'ai quasiment pas repris la pluie. Parce que quand il pleut, bah je sors pas, tu vois. J'essaie de sortir quand il pleut pas, donc j'ai dû la prendre une ou deux fois, tu vois. Le soir ou quoi, mais. Chiant. Grosse quoi mis dehors Zubalex, tu vas avoir des boulets en aboyant. Team Canada, on est là. Ouais, ouais, ouais. 20h45. Ouais, ça roule. Ouais, là. Ah bah, Roscoe m'a mis dehors aussi. Hein. Ça roule, on va dire KO. J'habite au Canada, mais exam à 9h30, la course à 8h, donc ça va leur mater le GP en différé. C'est le seul problème, le Canada. C'est que frère, t'es en décalé de tout. Les Canadiens, vous dites comment Nutella? Quoi? Je crois que le Nutella, ils lui disent différents mondes que nous. Genre vraiment, les... Alors, pas forcément le Canada, mais du coup, mais le Québec. Je sais qu'il y a des mots. Nous, oui, ça d'accord. Fait beaucoup, parce qu'on le dit pas du tout comme ça. Mais je crois que le Nutella, ça en fait pas. Mais je Nutella, suis pas sûr. C'est une marque, non? Ah non, ils disent la pâte à... Si, t'as raison. Si, si, non. Ah, c'est Nutella? C'est un truc comme ça, il y a une pâte à tartiner qui... Oui, ils disent pâte, pâte chocolat ou pâte à tartiner, un truc comme ça, oui, oui, oui. Pâte noisetée ou je sais pas quoi, c'est bizarre. Ils disent tous bagnole au lieu de dire cars. Ouais, alors, non, c'est char. Quoi? Non, c'est les bagnoles, hein. Pour dire garer mon char. Non, mais oui, mais ça c'est pour dire voiture. Mais le film Cars, c'est pas Cars, bah, c'est ah les bah bagnoles. Oui, oui, c'est pour ça que sur le sur Twitter, là, le compte... Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Team Québec, Canada. Par là, 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 là. Par contre, t'as remarqué, il y a beaucoup de non-subs depuis qu'on est la nuit. Logique, hein. Qu'est-ce que je te dis? It is what it is, hein. Après, il y en a, je vois, ils ont des primes, ils utilisent pas leur prime, mais bon. C'est dommage. C'est, vrai, hein. C'est dommage. C'est pas. C'est triste quand même d'avoir un prime, un si beau prime. Un pas prime l'utiliser. Qui dort comme ça, là. Oh là 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 là. Team le prime, tu vois, il est au fond. D'ailleurs, j'ai vu Manu, il a dit c'est 5h42, frère. 5h42, t'habites où là? 5h de décalage en plus, donc c'est vers la droite, vers l'est. 5h42 du matin? Ouais, bah je pense. Donc il a 3h de plus, un pays un peu francophone. Il serait pas. 3h, il serait moi, pas. Moi j'irais Russie. Non. Il serait pas à Abu Dhabi, tout simplement. Peut-être. À la Réunion, presque. Presque. Ah non, non. Merci Zenitia pour les subs, merci beaucoup. Merci Zenitia pour les subs, merci beaucoup. Ça t'amuse de répéter ce que je dis? Excuse-moi. Tu sais que tu peux voir d'où ils viennent les subs. Ah ouais? Ah, Dubaï peut-être aussi, non? Ah, ça aurait pu être Dubaï, mais non, il a dit La Réunion. Kepefut. Il a dit La Réunion. Merci Axwaldi pour le resub. J'avais un prime qui traînait par là. Bah ouais, je vois ça. Je vois ça, chef. Merci beaucoup. C'est quoi la marque des gants? Puma. Mais c'est Codemasters qui me les a envoyés. C'est pas des gants qu'on peut acheter.
Lulu, il m'a... Alors, Lulu, hein, attention, hein, si c'est ce que je pense. Non, c'est bon. Un bon toutou. Ouais, j'y ai cru au début. Hein. Ah ouais. Je suis méfiant à chaque fois. Hein. Ah, vraiment, hein. Mais il y a juste avec vous, maintenant, que j'ai pas confiance. Moi, j'avais confiance en Jerem jusqu'à ce qu'il me trahisse, mais un couteau dans le dos, j'avoue, pour être tellement profond. Il te l'a bien mis quand même, hein. Terrible. Hop là, voilà. C'est bien mieux aussi, hein. Si tu arrives à... Il y a un mec, il a dit, si tu arrives à prononcer mon prénom, je claque mon prime. T'as pas prime. T'as pas le prime, frérot, ça se voit. Sinon, c'est va-zi les yos. Vas-y, yos. Merci, le phénomène. Ça va, super max pour tout à l'heure. Ah, ça va être quelque chose tout à l'heure, en vrai, hein. Là, ça va être... La guerre Zubalex... La guerre Zubalex fait son retour. Matex, par contre, t'as bien fait de défendre, hein, parce que depuis tout à l'heure... Ouais, bah, Matex, mais tu sais que Matex, il me l'avait dit qu'il était déjà dans le... Il regardait les streams, même sans le chat. Allez, come on. Non, mais... Il y a un mec qui a jump le start. Il y a un mec à ma gauche, il y a un mec chacun. Oh! J'essaie de m'écarter du coup. Oh non, t'as plus ça. Mais frère, Raphaël, tu peux encore plus me tasser, non? Déjà dans le mur, on peut te pousser, genre casser le mur, non? Astral, mange tes morts! Wow! Qui était dans l'accident contre Pouvoir? Bah, j'en fais rarement le Open Levy. Hein. C'est vrai. Je pense qu'on va arriver pas assez à les circuits en Open Levy, mec. Après, c'est le hasard souvent. C'est vrai. C'est vrai que c'est le hasard aussi. Oh là là, devant Roscoe. Oh mon dieu. My god. Je comprends pas. J'ai les mecs sur le fantôme, j'ai position ACD. Chaud là. Fait le temps de rep lui trop rapide, bien évidemment. Y'a jamais de no rules à Bahreïn. Si, des fois on en fait en vrai. C'est trop dur Bahreïn. Mais Bahreïn c'est dur, hein. Dur de faire un no rules à Bahreïn. Ça tryhard devant. Wouah! Mec, ça tryhard devant. Mamma ouais. Mia. Bahreïn, je déteste Secteur 3. Bahreïn, j'aime pas non plus. Pire, c'est le Secteur 1. Oh, le pire, c'est que c'est le Secteur 2. Hein. Je suis désolé, mais. Ouais, Secteur 2, il est. Le Secteur 2, il est à vomir. Hein. On le déteste, hein. Allez, vas-y, il me saoule. T'as prévu des vacances? Ouais, sûrement en décembre, là. Je vais rentrer à Lyon pour Noël, le jour de l'an. Prévu 2 semaines, normalement. En vrai, je souhaite que Lewis gagne le titre pour commencer une nouvelle ère de la F1 l'an prochain avec les nouvelles monoplaces. Vous avez pas envie que Verstappen y gagne pour changer un petit peu, pour que Lewis, il ait du challenge l'année pro? Qu'il ait une revanche à prendre ou un truc comme ça? Qui vous gêne tant que le Max ne soit, enfin que Max soit champion là. Non, le secteur 2 il a vomi un virus, hein, vraiment. Je le déteste. Oh, Yuki CDM. Est-ce qu'on dirait pas les dates? Bah, je sais quand je pars. J'espère de savoir quand je reviens. Ça encore.
Genre je viens de me réveiller, j'arrive pas à me rendormir. Ah là là là, la force. Non. Ouais, c'est avec nous, écoute. Tu sais très bien quand tu reviens. Alors, ça c'est ce que je t'ai dit. C'est pas ce que je vais faire. Pour l'instant, j'ai pas encore billet de retour. Nous les modos, on nous a donné une date. Hein. Ah ouais. Bah c'est celle que j'ai donnée à Lucas du coup, mais... À tout moment, il se pourrait qu'il y ait des joueurs qui partent un peu en plus. 2-3 jours. Tu m'as dit un jour, moi je t'ai dit prends l'autre. Quoi? Ah, donc anyway. Lucas est imposé de date maintenant. Bah je sais pas, faut croire. Il m'a dit je vais à Disneyland. Je suis jamais allé à Disneyland Paris, hein, voilà. Oh, vraiment? Ouais. Bien aussi. Après, je suis allé à Disneyland US, donc bon, ça compense. Donc, j'ai posé, imagine l'aspect historique du 8ème titre. Ouais, mais. Non, le dive bomb. Maldini, that was too much. J'avoue que l'aspect historique du 8ème titre, ça, c'est grave lourd. Il y a en fait ce côté où genre j'ai envie de voir Hamilton écrire l'histoire. Et en fait, je me rends compte, plus on avance, plus je me rends compte que j'ai envie que les deux gagnent. Parce que peu importe le gagnant, il y aura un côté historique, tu vois. Merci à Simnar pour le prime, bienvenue. Il a dit je rentre en Alsace pour les fêtes de fin d'année. Aïe aïe aïe. Trop envie de faire le marché de Noël à Strasbourg, on en parlait l'autre jour. Là. Oh, le marché de Noël de Limoges, tu l'aurais vu, mec. Oh là 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 là. Attention, ouais. Hein. Ah, attention. Terrifiant. Hein. Terrifiant. Hein. Palmarès, on a Robert 87000. Palmarès, voilà, hein. Il y a Robert 87000 et RC Rob qui se balade. Hein. Week-end pro, je me marie, mais non. Félicitations. Et voilà. Et ben, les boss. Hein. J'espère qu'il va pleuvoir. Nous, on est là comme deux connards en jouant en Open Lobby. Pendant qu'il y en a qui réussissent leur vie. Il y en a qui ont 30 ans et qui ont 4000. Gratuit, hein. Oh non. Antonio. Non, c'est pas sa faute. Oh, c'est bon, on est fatigué de vos attaques aussi. Roscoe, tu vas prendre un ban, hein, c'est bon. Le dos d'Antonio, alors ça. Je dis que c'était pas ta faute, c'était la mienne. J'avais laissé reprendre à l'avance. Tu m'attends pour me mettre dehors. Roscoe qui va reprendre son statut de blacklisté. C'est passé si c'est passé, voilà. Tant pis. Shit happen. Quoi? Donne-nous un nom. Non, mais j'ai spin devant Roscoe, du coup je l'ai emmené avec moi. Dommage. La coop avec des pialos, ça commence quand? 2022. On sait pas encore quand, on n'a pas de date. En janvier, février, je pense. Surtout mon pote, il m'a dit de look mon jeudi. À connaissance, j'ai très peur. Aïe, 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 aïe. Le marché de Noël de Limoges, il est mieux que Lyon. Le marché de Noël de Limoges fait la taille de ma chambre, d'accord? Bah oui. Il est catastrophique. Il y a genre trois petits trucs, il y a deux, trois trucs de bouffe. Alors, en vrai, c'est pas mauvais, hein, mais on a goûté un truc. Mais alors, c'est rien, il n'y a pas d'animation et tout. Catastrophique. C'est la catastrophe Ada, les amis. Oh là 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 là, tu te rends compte que là, demain, il n'y a plus de F1 après, c'est fini.
repos, nada. Un jour, je t'inviterai en Alsace voir des vrais marchés de Noël. Je t'ai dit, un jour, j'irai voir à Strasbourg. Déjà, qui n'a pas de marché de Noël chez lui? Parce qu'il y en a, ils parlent, mais je suis sûr que vous n'en avez pas. Hein. Les petits villages et tout. Il y en a sûrement à Marseille. Si, oui, à Marseille, c'est sûr, non, ouais. Ah, voilà, moi, il y en a qu'on n'a pas, tu vois. Après, on aura la rétro de Canal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Village de 30 habitants. Zandvoort, il reste quoi comme circuit Zandvoort? Attendez, choix de circuit. Ah, il reste que Zandvoort, après on fait les mini-jeux. C'est Daniel. Ouais. Alléluia. Pourquoi t'es allé vivre à Limoges et t'es pas resté à Lyon? Pour bosser avec la Race Clutch et parce que Limoges c'est moins cher que Lyon. Donc c'était plus simple. Oh my God. Merci Swissden. So merci mon ref pour le deuxième mois. Alors vraiment, Dentinho et Roscoe, attention, hein, les deux là. Envie de les ban, les deux. Hein. Envie de les descendre. Hein. Bonus au kit show. Celui de Clermont, il est claqué au sol. Après, dans le sud, t'as de la neige en ce moment à Marseille, par exemple? Non. La dernière fois qu'il a neigé à Marseille, ça date. Hein. J'ai jamais de neige, bref, c'est ça. Comment tu vas faire un marché de Noël s'il fait grand soleil et tout? Il y a beaucoup de vent en ce moment. Le Mistral. En vrai, les marchés de Noël, c'est toujours la même chose chaque année. Oh, ça dépend en vrai. À Lyon, en vrai, c'est cool. Ça change tout de temps en temps. Je suis allé à New York pour Noël il y a 3 ans et c'était claqué. Ah ouais, pourtant, New York, mec. Oh merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Je t'envoyais des trucs sur Twitter parce que j'ai trouvé des trucs drôles et puis j'ai oublié de débarrer. Non mais c'est bon Roscoe, c'est bon. Casse-toi. Le spin, le astral, Madni. Oh aïe aïe aïe, on est fatigué. Ça faisait longtemps que j'avais pas roulé sur Zandvoort, mon dieu. Le jeu qui crash. Bah non, vraiment pas. On avait pas du tout manqué Zandvoort. Hydro, Taras là. Quoi? Ah, l'autre. Oui. Non. Mais il y a Dentinho devant, il est partout. Ils sont de partout les McLaren. Plus surcoté que New York pour Noël, il y a pas. Ah ouais? Merde, je sais pas c'est quoi les meilleurs bails pour faire un pour Noël. New York Escape c'était lourd hein. On m'avait dit que c'était pas mal. Wouah. Green flag. Oh la chatte. Oh, vas-y mais il bug le cous. Oh, est-ce que je peux passer par là? Nope. Oh Roscoe. Oh vas-y Balex, c'est sorti tout seul. Roscoe. Quelle Pespin. Honte. Fantastic. Two cars at once. Very well done. Colmar c'est cool. Colmar pour Noël. Strasbourg ça va être cool aussi, je pense. Non, Strasbourg je pense que c'est long ouais. Pas la Haute-Savoie, genre tu prends un chalet dans la montagne avec de la neige autour. En Suisse en vrai dans les montagnes ça peut être stylé aussi hein. Ouais. Ça peut avoir son petit flow. Hein. Oyonnax, c'est bien. Je pars à New York dans 5 jours. Oh, lourd. Oh, vraiment, tu sais que 2022, attention. Hein. Ça va faire une liste de voyages. Va falloir dire bip. Hein. Strasbourg, c'est trop touristique. Hors de question que Dentinho gagne. Hein. En Norvège. Aïe, 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 Lulu. Lulu, il va pas aller, il va aller au Danemark, lui. Je crois.
Danemark, c'est bien aussi. Non, tu sais quoi, c'est lequel? C'est la Norvège? Ah ouais, c'est la Norvège. Je confonds toujours, frère. Je confonds toujours à chaque fois, là. L'Islande. L'Islande, je sais pas si c'est joli. Ouais, ça doit être cool, mais bon, il pleut tout le temps en Islande. Quoi? Il pleut pas en Islande? Enfin, pas bah, gros. En vrai, c'est... On peut être l'Irlande, toi. Bah, l'Islande, c'est un peu le même climat. Hein. L'Islande, il neige. Mec, l'Islande, déjà, qui fait froid et tout. Le vent. J'ai pas fait confiance à ta qualité en géographie. Allez hop, dégage. Allez hop, les McLaren au goulag, les deux. La capitale de la Belgique. C'est pas Francorchamps. Je vous dis qu'il est en train de s'arracher les cheveux. J'aurais pu dire Mons, on me dit qu'à sa Chris. Faut que j'aille en Belgique en vrai. Tu sais que je suis jamais allé en Belgique, ça c'est honteux. Non! Ils ont un truc. Oh là là. C'est dans une espèce de paquet, des sachets noirs. Des sachets de bonbons noirs. C'est des bonbons ou des chocolats, je sais plus. Ouais. C'est une espèce de chocolat dans des sachets, des emballages noirs. Qu'est-ce que c'est bon, bordel. Mais quoi, des gâteaux, c'est... genre? Des chocolats? Non, c'est... Ouais, c'est un peu des chocolats, mais c'est genre, c'est dur. Un peu froid. Je sais pas si Christy connaît. Je sais pas, mais c'est incroyable. Ouais. Peut-être. Je crois que le paquet est noir et jaune. Il est noir et doré, pardon. J'ai peur de dire une bêtise. Je crois que c'est un genre du caramel entouré de chocolat. Une dinguerie. Oh! Oh, la bataille dans le dernier tour, elle est incroyable. C'est chocolat, ok, c'est incroyable, hein. Vraiment. Quoi? C'est une blague! C'est une blague! Oh, il a spin. Let's go! Let's go! Il a spin, oui! Vamos! Vamos! La victoire dans le dernier tour! On est allé la chercher, celle-là! Ah, elle était incroyable la bataille. Mais ouais, je l'ai doublé sous drapeau jaune. Putain. Je peux t'amener des problèmes. Des problèmes, vas-y. Entre la Suisse et la Belgique, quel est pour toi le pays du chocolat? Bah la Suisse, non? Voilà, je te laisse avec ça maintenant. Ah non. Je t'arrange avec les, ah non, les Belges du chat. Mais je pense que c'est la Suisse, non? Tu vas aller en Belgique, va vraiment au GP, hein, 24 heures voiture, circuit impressionnant. Ouais, faut que je me l'organise, ça, c'est obligé. Ah ouais, les Belges. Ah, je suis désolé, les Belges. Alors toi, non. Bonne nuit, bonne nuit, c'est qui vont dormir. La Belgique, ah ouais. J'avais pas que la Belgique... Ah, Belgique, il est... Faut-il, il est Belge, pardon. Et il a dit la Suisse est au-dessus quand même, je pense. Belgique égale frites et bière. Bah ouais. Pour moi, c'est ça, hein. La Suisse, chocolat. Hein. La Suisse, c'est chocolat et montre. Et la Belgique, frites, tu parles genre frites, des French bière. Fries. Quoi? Non, des frites, des vraies frites. Ouais, les French fries, quoi. Oui, allez, les French fries, si tu veux. Mmh. Les French fries. Oui, allez, allez, allez. Mmh. Oui, c'est bon. C'est bon, on a compris. Non, mais je respecte les Belges. Je respecte. Les gaufres. Eh, alors, au marché de Limoges, il y avait un stand de gaufres. C'était un truc belge, justement, incroyable. Incroyable. C'était les gaufres de Liège, justement, ça devait être ça, je pense. Incroyable.
L'une des meilleures gaufres que j'ai mangé de ma vie, je crois. Je savais pas que la... En fait, c'est que je savais pas du tout que la Belgique était connue pour le chocolat. Ah ouais? Non, ouais. C'est connu pour les BD aussi. Pour les BD? Ouais, les BD, les livres. Les livres? Ok. Le chocolat de Bruges. Ah, genre, oui, les chocolats ouais, de Bruges, genre Jeff de Bruges, ça te dit rien. Oui, bah oui, j'avoue. Laissez-nous manger des frites comme on veut. Aïe. Tintin est belge. Ah ouais? Oui. Tintin est belge, ok. Le Cyrala, ça va et toi? Bah du coup on a fini là, non? C'est la dernière course.